Bonjour. Bonjour. Ce travail que vous faites est bénévole ou Oui, bien... Oui, bénévole. vous êtes chrétienne. Oui. Et qu'est-ce que vous faites au juste aujourd'hui? On essaie de nettoyer un peu le cimetière, de sorte que... Non? De l'autre côté, non, on ne Non, voit pas non, les... aujourd'hui on ne voit pas. On ne voit pas, mais il y a des plantations, mais si toute personne qui voudrait, bien sûr. D'accord, merci bien. Merci. La famille. Vous êtes d'où? Je suis du Burkina Faso. Okay. Vous êtes au Maroc depuis quand? Depuis l'année dernière. Et vous? Oui, moi aussi. Burkina Faso. Oui, moi aussi. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des étudiants ou... Oui, nous sommes des étudiants. Ici, à la fac de Jadida? Ah, le NCF. Ah, une fois que les tombes ont été nettoyées, je La tombe reviens. de qui? De votre famille? Non, 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 pas du tout. Non, non, Ah, non, 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 d'accord. non. Vous êtes bénévole. Voilà, j'ai personne ici, moi. Et comme c'est une journée de bénévolat pour le cimetière, Oui. et une fois que les tombes sont nettoyées, je reviens et tout ce qui, les endroits où il y a de la terre, je rajoute un peu de terreau et je vais replanter des fleurs, des plantes. C'est très bien. Vous habitez ici à El Jadida? Oui? D'accord. Vous faites partie d'El Jadida Accueil, C'est non? ça. Ça? C'est ça. Bon, merci et bon courage. Merci. Bonjour. Bonjour. Cette journée est réservée au nettoyage? Oui. Vous êtes volontaire. Ah oui, volontaire, bien sûr. Et je le fais avec beaucoup de plaisir. Et vous avez la famille ici, enterrée dans ce cimetière? Non, 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 non. non. C'est Comme ça, des gens que je connais pas, mais j'ai le plaisir de les connaître parce que je m'arrête sur chaque Ah oui, d'accord. épitaphe pour lire les noms, Vous habitez leur âge et tout. Hein. à El Jadida? Depuis un mois. Depuis, vous pensez y rester, non? Ou de Non. passage? Je suis là pour un tournage d'un film documentaire. Ah, c'est beau. Oui. Madame Puglisi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette journée de Ah, cette journée. nettoyage? Ah, ben, qu'est-ce que vous voulez que Vous je vous allez y dise? participer? Eh ben, je suis là, je viens, je vais leur, je suis venue leur porter à ces messieurs qui travaillent de la bière. Bière bien fraîche, pour qu'ils se rafraîchissent un peu. Et voilà, mais Merci. c'est une très bonne chose. Président, Merci. cette journée est réservée pour le nettoyage. C'est une journée particulière d'abord. Parce que on a 650 tombes. Là, oui. Il y a 650 tombes et on n'a que 27 cotisants. Donc vous voyez, le différentiel est énorme. Et on a voulu faire appel à une certaine solidarité. Et j'ai fait appel un peu à tout le monde, et notamment aux étudiants. Vous avez vu, Oui, j'ai il y a vu beaucoup des d'étudiants Africains africains beaucoup. qui Oui. fréquentent l'église et qui nous apportent leur concours. Parce qu'on est tous un petit peu âgés, un petit peu mal aux reins. On a du mal à faire ce que l'on faisait à 20 ans. Mais il y a eu une réponse, je dirais, collective très importante. Et là, on doit être une petite quarantaine à vouloir faire ce que l'on avait envie de faire. Et ce qu'on a envie de faire, c'est simple, c'est que, quels que soient les gens, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur conviction, quelles que soient leurs opinions, ces gens-là, à un moment donné, ils ont vécu El Jadida, ils ont fait profiter El Jadida de leurs compétences. Ils ont enrichi un petit peu cette région et on leur devait et on leur doit du respect. Et c'est en faisant appel à tout le monde pour venir nettoyer toutes ces tombes, des gens qui sont complètement oubliés de leur famille, si ça se trouve, ils n'ont plus de famille du tout depuis Oui. longtemps, puisqu'il y a des tombes qui sont de 1880 et quelques. Et là, c'est un devoir de respect, un devoir de respect que l'on leur devait. Et je suis très fier de voir que les gens ont répondu présent à cet appel. Et je constate que les gens et cette communauté française installée maintenant à El Jadida est très généreuse et nous donne le plaisir de on ne veut pas donner de leçons, ce n'est pas le cas, mais c'est un témoignage de tolérance qui me paraît grand. Parce qu'il y a de tout, il y a toutes les nationalités, vous savez qu'il y a beaucoup de Français. Mais il y a des Portugais, des Espagnols, des Italiens, il y a même un Grec, il y a même un Japonais qui est enterré là, des Allemands, des Anglais. Enfin, c'est très cosmopolite. Et ces gens-là, ils ont fait du bien à El Jadida et nous, on leur doit
et on leur rend ce bien 8 jours avant la fête de Toussaint et la fête de tous les morts. Donc voilà un petit peu ce qui nous anime, et je crois que je suis assez fier de voir que mes compatriotes ont répondu présent et nous aident dans ce travail. Et vous êtes toujours présent aussi pour venir nous épauler, et j'apprécie. Je me souviens de la première interview que nous avons fait ensemble. Pour les légumes, non ? Je vous avais expliqué ce qu'on allait faire. Et ce qui est bien, c'est qu'on fait ce qu'on a dit. Merci bien, vous faites un travail colossal. Je vous encourage. Je vous remercie. Merci beaucoup. À toute l'équipe qui travaille. Merci beaucoup. Musulmans qui vous aident, oui. Oui, c'est pour ça que c'est de la tolérance. C'est très bien. Donc des musulmans, des chrétiens. Voilà. C'est vrai. Ça, c'est Tibari. Tibari, c'est demain. Qu'est-ce qu'on est là ou là? Cette dame, elle est vraiment en forme. Elle est très généreuse. Très en forme. Vous avez terminé votre travail? Non. Alors, elle nous donne un petit aperçu sur ce que vous faites. Mais oui, regardez. Bonjour, vous vous présentez. Non, pas ici à côté. Bonjour, je m'appelle Margaret. Oui. Et mon mari s'occupe du potager du cimetière. Et donc aujourd'hui, c'est cette journée, c'est une journée de solidarité, de lien et de respect par rapport aux morts qui sont ici. Vous dire quoi de plus? C'est assez suffisant, assez explicite. Oui. Voilà. Merci bien, merci. Donc, on continue. Combien de vous dites 650 tonnes. Et ceux qui travaillent, combien? On doit être une quarantaine. Une quarantaine. Oui, oui. Alors ça, vous reconnaissez, c'est la tombe de Luigi. Bonjour. Bonjour. Vous faites un travail, comment vous trouvez ce travail un peu dur? Il fait dur parce que c'est la chaleur surtout. Il commence vraiment à faire chaud maintenant ce matin, ça allait, mais là... Tu es filmé là. Ben oui, je m'en doute, c'est pour ça que je me fais belle. Non, là ça commence à... Vous avez dit? Mais c'était le comte Luigi qui a fait beaucoup de bien. C'était quelqu'un qui était aisé, comme on dit. Il avait de l'argent. Mais c'était un garçon qui était extrêmement généreux. Et chaque fois qu'il y avait des associations qui se créaient ou qui avaient effectivement besoin de quelques subsides, il était toujours très généreux et il donnait. Est-ce que sa famille vient de temps en temps? Non. Sa famille est restée à Milan. D'accord. Ça c'était la famille Leymari. Vous savez, le restaurant, la capitainerie. Oui. Eh bien, c'est sa famille. Oui, oui. Ici, c'est. Il n'y a personne en dessous, je peux y aller tranquille. Tu peux y aller tranquille. Et ben, il plaisante. Parce que c'est ça mon caveau à moi. Si, moi, c'est là que je serai enterré. Donc vous avez réservé cette partie pour ça, vous? Ça, c'est moi. Et ça, c'est Michel, c'est lui. Michel. Et comme on est copains, on pourra continuer à parler. C'est son fils. Bonjour. Regardez comme il parle. Un journal électronique, Mazagan 24. Ah, Mazagan 24. Oui, il connaît bien. Ah. Voilà un beau journal. Merci bien. Attends, il va interviewer. Et le petit, qu'est-ce que tu fais? Tu nettoies? Cette partie est réservée pour qui? Pour les deux tombes là. Non, c'est pas pour toi. Tu as le temps, toi. Hein. C'est bien de travailler. Petite bière. Non, on ne veut pas que je suis passé. Bonjour. Vous travaillez énormément sous cette chaleur. Comment? Non, il fait froid. Il fait froid? Oui, il fait froid. Parce qu'il est froid, lui, ça y est. Il est plus. Il a froidi. Il ne sent pas que vous êtes à côté de lui, non? Lui, je n'ai pas connu. J'ai connu sa mère. Ah, vous connaissez? Ah, d'accord. Vous plaisantez. Oui? Vous êtes d'où, vous? Je suis du Gabon. Oui. Voilà, donc... Qu'est-ce que vous faites là? J'ai étudié ici. Où ça? Ici, à Al-Jadida, à Chouab Doukali, à la faculté des sciences. Voilà, donc... Je travaille ici, donc voilà, on est venu pour nettoyer. Bon courage, merci. Bon courage.
مصران. اه خدام معاه في داره. خدام كنت خدام قبل هكا خدام هنايا. صافي واخا. شكرا. وانت؟ انت بحالو خدام مع شي واحد. صافي ملي جاو هنا قال كنمشيو ننظفوا واحد المقابر ديال. قال لي ياسر خدام حيت عندو هو اصلا القبر ديالو هنا. هذا الشيء عمل مزيان قلت لك ما كرهناش المسلمين حتى هما يديروا بحال هذا الشيء. يلا شكرا. والله شكرا. Allez, photo. On va faire une photo. Tiens, il est là, vous cachez. Mais oui, bien sûr. Là, il faut des prendre tout le monde. Allez. Ça y est, plus de cheese, ça y est. Vous bougez pas, j'en fais une pour le consulat, s'il vous plaît.